Faut-il rendre les cadeaux à son ex après une rupture amoureuse ? C'est un mail que j'ai reçu d'Aurélie qui me demandait si, après une rupture amoureuse, il fallait rendre les cadeaux à son ex. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en reconquête amoureuse et développement personnel. Et dans cette vidéo, on va voir, faut-il rendre les cadeaux à son ex après une rupture amoureuse ? Alors, généralement, il est extrêmement rare qu'un ex réclame les cadeaux qu'il ou qu'elle vous a offerts. Mais parfois, vous me demandez si vous devez lui rendre ses cadeaux. Alors, je vous dirais qu'un cadeau, c'est un cadeau. Et donc, je ne comprends même pas cette question ou pourquoi vous souhaitez lui rendre les cadeaux qu'il ou qu'elle vous a offerts durant votre relation. En plus, généralement, je suppose qu'il y a eu de la réciprocité et que si votre ex vous a offert des cadeaux, vous avez sûrement dû lui offrir des cadeaux en retour. Alors, rendre les cadeaux à son ex suite à une rupture amoureuse peut se justifier si votre ex vous a offert quelques jours ou quelques semaines juste avant la rupture un cadeau d'une forte valeur. Je pense ici à une montre, un bijou de forte valeur, une voiture, un téléphone, etc. Mais là, plutôt que de lui rendre, demandez à votre ex si il ou elle souhaite récupérer ses cadeaux. Car la rupture amoureuse est intervenue très peu de temps après que votre ex vous ait offert ses cadeaux. Mais ici, vous faites cette démarche parce que vous êtes gêné par la valeur du cadeau. Et non pas en ayant un comportement puéril, tu me quittes, donc je ne veux plus de tes cadeaux. Si vous faites ceci, vous passerez pour un enfant qui fait un caprice. Et le deuxième cas, c'est si les cadeaux, vous les avez depuis un moment. Dans ce cas-là, gardez-les, ils sont à vous. La rupture amoureuse ne change rien au fait que votre ex vous ait offert un cadeau, et donc un cadeau est un cadeau. Ainsi, vouloir rendre les cadeaux à son ex suite à une rupture montrerait plutôt votre immaturité, voire même votre irrespect. Car si on vous offre un cadeau, ce n'est pas pour le reprendre même après une rupture amoureuse. Dans le cas où vous ne souhaitez plus ces cadeaux car vous souhaitez tourner la page et oublier votre ex, je vous conseille là soit de les vendre, soit de les donner à des œuvres caritatives qui, eux, sauront quoi en faire. Alors ne faites pas l'enfant en rendant les cadeaux à votre ex tout simplement parce que il ou elle vous a quitté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez tous mes conseils. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec James D.